quatrième tour, il sera temps de dératiser en profondeur. À la centième lettre, il sera temps de faire du rangement ou de tout brûler. Au 200e jour, il faudra peut-être décider de son côté. À la 11e fille, je renoncerai sûrement. Je pleurerai de honte. À la 60e année, on pensera à mourir, c'est promis. On se fatigue à des choses qui en valent peut-être d'autres, qui valent même sûrement beaucoup plus, qui sont peut-être même les choses les plus importantes. Mais on n'en sait rien. On continue aveuglément, en se demandant à chaque pas si on ne va pas tomber dans un gouffre ou s'exposer la tête contre un de leurs foutus piliers. Et à chaque pas, c'est un miracle. On reste vivant et de l'air nouveau nous parvient, contrastant avec l'asphyxie qui nous enveloppait lorsque nous étions immobiles. Ça vaut sûrement plus le coup que leurs sauts en l'air qui font beaucoup de bruit, mais ne les font pas avancer d'un millimètre.